Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in faith. Maintenant, on va vous faire visiter. Donc ici, on a mis une petite bâche au sol pour pouvoir se protéger de l'humidité et pour que ce soit un petit peu confortable. On a mis ici des petites tentures. Voilà, donc ici, il y a les affaires de Kylian, les serviettes. Ici, j'ai mis tout ce qui était nourriture. Au niveau nourriture, normalement, on ne devrait pas trop mourir de faim. J'ai prévu quelques petits fruits, donc ici les raisins, les clémentines, les oranges. Des petites salades toutes prêtes en fait pour emmener, pour pique-niquer. Là, ici, il y a du taboulé, c'est pareil. Tout ça, c'est que des choses qui se conservent en fait en dehors d'un frigo, donc c'est vachement pratique. Là-dedans, vous avez des amandes, des noisettes, des trucs comme ça. Dessous, il y a des petits jus de fruits. Là, c'est du DK en poudre. Et donc, ça, c'est pratique. Comme ça, j'ai que à emmener mon réchaud. Ma tasse ici que je pose directement sur le réchaud, de l'eau et la poudre. Comme ça, ça m'évite le poids de ma grosse cafetière. Même si je l'adore et que je préfère ce café, c'est toujours mieux quand c'est léger. Ensuite, on s'est prévu... il y a les couverts ici. On s'est prévu ici la petite boîte de survie. Donc c'est des bêtises en fait, puisque c'est des bonbons, du chocolat, des trucs comme ça. Là c'est du lait déjà prêt au chocolat pour le petit. Des petits déj, ça c'est pour moi pour survivre un petit peu. Du saucisson, du lait en poudre, ça c'est super pratique. Comme on y déjà en automne et que je me suis dit qu'on avait dépensé vachement d'énergie, on est parti sur une bonne choucroute pour le soir. Voilà, des barres de céréales aussi, des princes, du pain de mie, comme ça c'est ni trop sec ni trop humide, avec des petites chips en portions à emmener. Un petit peu tout ce qui me passe par l'esprit. Des sacs poubelles, c'est toujours pratique, on ne sait pas si y en aura, des pas trop gros tant qu'à faire. Je prends toujours aussi des petites épingles à nourrice parce que je prends toujours des pinces à linge parce que ça peut permettre d'accrocher un certain nombre de choses. Donc ici j'ai accroché en haut là en fait avec une épingle à linge. Voilà, pour que ça tienne, ça peut servir à d'autres choses, c'est toujours utile. Ah oui, c'est bon, j'ai mis mon sac à main, la trousse de toilette. Là j'avais prévu une rallonge parce que je pensais qu'on serait plus près des prises. Alors heureusement que j'ai pris ma guirlande qui fait 20 mètres. Ici les chaussures, j'ai pris aussi des petites chaises. Je me suis dit que ce serait toujours plus sympa que d'être à même le sol qui est quand même assez froid. Je suis un petit peu désordonnée. Donc j'ai pris des lingettes pour bébé. Donc comme on n'a pas d'eau ici, ou en tout cas on n'a pas trop quoi, on n'a pas en accès rapide. Si on veut rapidement se nettoyer la main, se débarbouiller, tu prends ta lingette et voilà, c'est fini. Bon, on n'est pas sur quelque chose de très écologique, mais là c'est vraiment très pratique quoi. Donc là, de ce côté, on a la chambre. Voilà, donc c'est un matelas en mousse, comme ça. Et c'est très confortable. Ici, on a donc les deux sacs de couchage par personne. En fait, on va rentrer dans un, puis dans un deuxième. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est comme ça qu'on a toujours fait quand on avait trop froid. Je les ai laissés emballer parce que l'humidité est déjà tombée, en fait. Parce que la montagne, c'est assez ingrat, tu es au plein cœur de la montagne. Et si t'es pas sur un sommet, t'es déjà à l'ombre, même à 4h de l'après-midi.
Et donc voilà, j'ai laissé aussi les oreillers emballés. Et on a d'autres petits trucs en appoint, donc un peignoir, une petite, petite couverture. Là, c'est des petites activités pour Kylian. Donc il a un petit livre dans lequel il peut dessiner, dans lequel je peux écrire aussi. Des bandes dessinées, les petits, petits livres. Ensuite, on a des cartes de jeu. Donc là, c'est ce que je disais, hein, on a la montagne en face qui est au soleil et nous, voilà, bah, on est à l'ombre. Du coup, il y a déjà l'humidité qui se fait ressentir. Ensuite, ici, ça, c'est notre éclairage. Je suis plutôt contente de l'idée. En fait, c'est une guirlande de Noël qu'on a mis et ça fait sa petite ambiance, je trouve.